On a un logo avec trois dans. Il y a trois problèmes. Confirmé. Wow. Pourquoi ils font ça? Je réparais la barrière? Elle a pas été réparée encore, c'est ça? Me dites pas qu'elle a pas été réparée. Mais réparez-la! Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh non, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Oh, la note du parc, comment on le descend? Les amis, c'est horrible. Je vais l'avoir à faire un cauchemar. Je vais faire sauter de la forêt, d'accord? Je vais faire sauter pas mal de, ouais, de forêts, de choses comme ça. Et ici, je vais m'occuper de mettre une zone pour les diplodocus, en fait. Je vais essayer de mettre toute une zone dédiée que pour les diplodocus, pour les animaux assez grands en taille. Je pense que ça peut être pas mal parce qu'ils ont besoin de pas mal d'espace quand même, ces dinosaures-là. Faut pas l'oublier. On va mettre une porte, chose très importante quand même, la porte. On peut la passer ici, la porte, personnellement. Ça posera pas de problème. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, tout ce qui est mangeoire et tout va s'en occuper, ce sera pas un problème non plus. On va mettre quelque chose pour les visiteurs pour qu'ils puissent regarder les dinos. Viens pour un message. 1-1 Ok. Ça part en 1-1. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Oh, il est en train de partir, il part! Vite. Oh là là, faut reprendre le pli. Reprendre le pli des touches, Kiki. Mais il s'en fout le truc, je fais T en boucle. Voilà, merci. Ok, il y a les gens qui sont en train de péter un câble. On va ouvrir la zone, l'abri. Non, il fera pas de mal, techniquement, vous inquiétez pas, il fera pas de mal. Vite. Pourquoi il m'a pété un câble? L'équipe de garde, on va ajouter une tâche. Il a pété la grille. On va réparer tout ça. Après, vous allez faire ça aussi, vous me faites chier. Après, vous allez me remettre la mangeoire là aussi. Ils sont clairement en train de péter un câble. Bon, c'est bon, ils vont l'endormir, les gens vont se calmer, ça va aller, tout va bien se passer. Ne paniquez pas. Ah, ils sont tous prêts. C'est pas grave, on va le laisser dormir en attendant le truc. Et on va transférer le dino. Moi, je vais regarder. Allez, on transfère d'abord le parasite. On va regarder ce que ça donne. Parasaurus. Il a pas assez d'interaction. La crête qui surmonte sa tête intrigue les scientifiques. Une impasse de l'évolution dont on connaît désormais la grande efficacité. C'est à ce genre de choses que sert la recherche préhistorique. Vous savez ce qu'on va faire? Tout de suite, il faut pas chercher. Tout de suite, on va l'endormir. Alors pourquoi je prends la décision de l'endormir tout de suite? Tâche bien parce que il va pouvoir me péter un câble assez vite. Son confort, il descend très vite. Donc il peut probablement péter un câble très vite. Ils ont besoin d'être en groupe social 4 au minimum, ce qui est colossal quand même. On peut emmener le Diplodocus et les Brachiosaures. C'est parti, j'espère de tout cœur que ça va pas être violent. Attention, c'est parti. Merci Sakura. Oh! Il est trop stylé! Ah, j'ai trop peur qu'ils en mangent plein. Il est beau. Il est franchement très beau. Ok, le parasaur, c'est bon. Vous m'en mettrez deux. Il est super beau. Il est lent, mais il est beau. Quand je vois la taille du truc... Un Diplodocus. C'est rigolo comme nom. Ah, Diplodocus. Vous ne trouvez pas? Diplodocus. Ah mais il est relou le mec. Diplodocus. Oh, vous trouvez pas que c'est rigolo? Diplodocus. Vous enlevez des mots, ça fait Diplodocus. Oh, qu'est-ce qu'on rigole, Michel. Oh, les mots. Fatigué. On va en inclure un autre. Il faut qu'il soit 4 au moins. On va endormir du coup un dino. Demande enregistrée. On a une expédition qui est terminée. Ok, nice. On l'envoie le braquier, c'est parti. Oh, regardez sa tête, elle était carrément au-dessus. Ok Snow, des bisous à toi, passe une bonne soirée.
Elle était carrément au-dessus. Il est énorme. Il est énorme. Tu vois son pote à côté complètement endormi. Brachiosaure. Génial. Les visiteurs adorent les gros dinos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à votre avis, l'endormir. Entendu. Aussi. Pour moi, personne n'est encore placé. Ah, c'est trop stylé. Bah attendez, il les chope par nous ou quoi? Ah bah non, c'est qu'il y a 3 max quoi. C'est trop stylé, regardez-moi ça. Le monde. Ah, ils ont tous nos potes là. Il y a un dino qui est prêt à être transféré dans son enclos. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Ah, c'est le Maya. Je l'appelle Maya, ce sera plus rapide. Je vais l'appeler Maya. Salut Dark, salut Virtuos, comment tu vas? Oh, il y a tellement de nouveaux. Oh, il est beau! Oh, ses petits yeux, son petit regard tout vide, genre. Pour moi, c'est plus la house party. Pour moi, c'est terminé. Vous saviez que le Mayasaur a été le premier dinosaure dans l'espace? Eh oui! Dans le labo Space Lab en 1985, c'est écrit dans la brochure visiteur. Par contre, on n'a pas précisé qu'il donnait des coups de tête. Il y a trop de dinos. Bon, c'est en cours de rapprovisionnement. Je vais aller voir là. Oh, les 3, ils sont prêts. Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on lance le truc? Les 3, ils sont prêts. Comment ça va faire mal? Je le sens, je le sais pas. Je ne connais pas leur comportement, je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ils s'entendent hyper bien avec les vélociraptors. En cours de transport. Ils s'entendent absolument pas avec les vélociraptors. Ouais, pas les vélociraptors, les ah merde, les... Oh, j'ai plus leur nom, là. Avec leur petite collerette. On va voir. Allez, c'est parti. De lui à Bouffota, ça fera des interactions. Ouais, ça va donner, grave. Bon, bah, ok. Allez. C'est parti. Oh, il est vert. Ça, c'est parce que j'ai dû modifier sa couleur. Bah, au moins, ils se font bien dans la masse. Yes. 3 minimum. Transport terminé. C'est bon. Face à une créature dont le nom signifie « terrible griffe », mieux vaut rester humble. C'est l'animal que vous venez de créer, Deinonychus. Wow, wow, wow. Ça va partir, ça va partir. T'es pas tout seul, mon pote, t'inquiète. Ils vont pas du tout s'entendre, en fait. En route vers la mangeoire. Qui sait qui est mort? Putain. Un tricé. Il y a un combat qui s'est déclenché. Cible en cours d'évacuation. Wow! On va me le buter. Oh, ils s'entendent pas! Ils s'entendent pas du tout! Mais vas-y, aide-le! Alors, est-ce qu'on n'est pas parti pour dire qu'ils s'entendent, que personne ne s'entend avec personne? Ouais, le dino, voilà, merci. Ils s'entendent pas, ils peuvent se tuer, putain. Ils s'entendent pas, ils peuvent pas se blairer. Oh, ils veulent foncer dessus! Oh, puis il y a le Ceratosaurus qui arrive. Ouah, ils sont en train de s'engueuler. Je laisse crever, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On m'a averti qu'il y a un autre combat qui s'est lancé. Ils s'entendent pas.
Ah, tu vas tuer qui? J'ai commencé à bosser ici, j'ai cru que mes inquiétudes s'estomperaient avec le temps. Et plus j'en apprends sur ces animaux, plus je suis inquiet. En tout cas, je ne suis pas mécontent que ce contrat sur les combats de dinosaures soit bouclé. Les choses auraient pu très mal tourner. Ça va aller mieux que le deal. Bien joué. Attends, vous avez su garder le contrôle de la situation. Oh, ça part trop en cacahuète. J'ai envie de mettre un T-Rex pour comprendre. Ah bah oui. Ouais, il va faire son finish. Le raptor va faire son finish. Par contre, je vais mettre une zone. On a une clôture qui est endommagée. Il y a un dino qui s'est barré. L'équipe de réparation va s'en charger. J'ajoute ça à la liste. Qu'est-ce qu'il a ce con ? Pourquoi il s'est barré ? Ça, c'est de la merde. Vous avez vu le vélo ? Oh! On a trois, on a un logo avec trois dans. Il y a trois problèmes. Confirmé. Wow! Pourquoi ils font ça? J'ai réparé la barrière? Elle a pas été réparée encore, c'est ça? Mais dites pas qu'elle a pas été réparée. Mais réparez-la. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh non, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Oh, la note du parc, comment elle descend. Les amis, c'est horrible. Je vais l'avoir à faire un cauchemar. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Vite. Faut ouvrir. Ouvrez les armes d'urgence. Il faut vite faire un autre vélociraptor, mais il m'emmerde. Vite. Toi, je t'incube. Vas-y, tu veux un deuxième pote au cas où. Vas-y, hop. Vas-y, vous êtes content. La barrière, comment ça se passe? Il la répare ou pas, putain? Mais réparez votre clôture de merde. Ça va partir. Hein. Oh là là. Il a défoncé tout le monde là. Mon parc est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est pas grave. Il l'a bouffé. Il a bouffé son pote. Дамы и господа, в качестве меры предосторожности и для вашей безопасности просим пройти к ближайшему убежищу. J'ai envoyé l'équipe d'intervention, ne se mène pas le cul. Ah, qui l'autre là, putain, le T-Rex qui a encore... Tous les morts. Regardez. Là, on perd le contrôle. Là, on perd le contrôle de la situation. Là, je vous le dis. Chers visiteurs, par mesure de précaution et pour votre sécurité, veuillez gagner l'abri le plus proche. Ça y est, l'hélico, il arrive enfin. Si, c'est le gros cannibale. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il va manger les gens. Tous les gens qui sont coincés dans le coin. Mais endormez-le, bordel, vite. Il va manger quelqu'un, il va manger... Le monsieur par terre, monsieur, ne paniquez pas. Ah,
c'est de la merde le tir, je galère. Mais les gens se tapent dans le... Ne foncez pas dessus, vous allez... C'est bon. C'est bon. Oh putain. Cible en cours d'évacuation. Oh non, je peux plus. Bloqué. Ok, on envoie le tir, vous êtes prêts? 3, 2, 1, T-Rex! T'es en train de niquer tout le truc, mais c'est pas grave. Merci infiniment, Serge. Ah oui, le lézard alpha. Okay. Tyrannosaurus rex, l'idole des auteurs de fiction, des enfants et des adolescents. Et pourquoi direct, donc faut l'endormir. Parce qu'il représente tout ce que en nous fait, craignons il du passé. Pas les interactions, vient de ce le voir. Que nous croyons le avoir conquis, alors même qu'il a disparu avant que l'humanité n'atteigne le stade des proto-primates. Ce qui était vrai, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Raison effectuée. Et moi, tu mets ça en VR, je tiens pas le choc. Hein. Oh, j'ai froid. Hey, j'ai des frissons. Oh merde. J'ai ma petite piquette. Petite chèvre. Ah, ça, je vous le dis, ça va faire augmenter la note du parc. Hein. Ça, je vous le dis, ça va augmenter. Hein. Non, non, c'est bon, j'ai fait la forêt. Je l'ai fait. Et là-bas, regarde, tout là-bas. Comment il casse pas les noix? Écoute, on va le laisser tranquille. Vous avez vu la gueule? Qu'il est beau! Ouais, mais je le trouve magnifique, hein. Il est magnifique. Bien fait quand il pleut, regardez comment il est trempé. Ça, c'est bien fait. Il est beau gosse. Il est tellement beau. Hein. Bon, alors ce qu'on va faire, j'ai envie de me dire un truc. On va quand même partir sur l'autre île. Vous vous souvenez de la troisième île? Je pense qu'il est quand même temps de partir dessus. Alors attendez, Isla Pena, destination. Ok. Je pense qu'il est temps de partir dessus parce que finalement on n'a pas avancé dessus. On a ramené le T-Rex et tout là, mais on n'a pas du tout avancé sur cette île. Et je pense qu'il est temps d'avancer, de... Ouais, je pense qu'il faut le faire là. Hop, on les transfère. Je les aime bien, ils sont frais, regardez-moi ça. C'est la fraîcheur. Ils sont trop cool. Droit dans les yeux. Oh putain! Il m'a fait voir! Il m'a fait trop peur! Ah, vous aussi vous avez eu peur, avouez! J'étais trop concentrée dans ma photo, j'étais en mode genre, vas-y, alors je me mets à gauche et tout, je zoome et je m'attendais pas à ce qu'il fasse, ah, et qu'il saute à la gueule.